Derrière moi, je sais pas pourquoi, il veut animer le live avec moi, je ne sais pas pourquoi. En plus de la ricotte qui est sur mes genoux. Ah, la ricotte, c'est là. Oh, le pédale, il est trop mignonne. Trop mignonne. Et merci pour le follow, merci. Ah, j'ai pas... Insaisissable MDR, merci pour ton follow. Insaisissable MDR, bienvenue à toi sur ma chaîne Twitch. Pose-toi, prends une boisson délicieuse, chaude ou froide. Quelque chose qui te satisfait. Ton petit plaid parce qu'il fait froid. Et assieds-toi. T'es d'accord avec moi, ma fille, oui. C'est très bien. Donc, vous êtes un petit nombre là. Oh oui, il y a quand même un petit nombre. Hop, je vais juste sortir pop-out le chat. Pop-out le chat. Hop, mettre ça bien visible. Mettre ça là. Et je sens que j'ai l'autre qui va vouloir animer avec moi. Je sais pas pourquoi je le sens. Et je vais aller sur Discord papoter avec les copains. Hein, s'ils veulent venir. Hop, voilà. Et aussi monter le son de Discord pour que vous puissiez entendre correctement les éventuels comparses qui me rejoindraient. Hop là. Mais oui, tu es là aussi, Haricotte. Tu es là aussi. Donc oui, je m'appuie sur les genoux comme d'habitude, les amis. Si jamais il faut un moment que je m'absente, enfin, je ne peux pas m'absenter parce qu'Indara est là, mais s'il faut un moment faire une pause allaitement. Continuer le live, c'est juste que je cache ma cam en fait, tout simplement. Le live va continuer sans problème. Enfin, que je cache ma cam le temps de mettre ma fille au sein. Voilà, pas que vous voyez mes roploplos. Je ne suis pas de ce genre là. Coucou. Donc il y a qui est là? Il y a Just Ganou, coucou mon poulet. Il y a Dragounette. Il y a Killname. Il y a Command Root. Il y a Enilopa, Gwendoline. Luluxa, Mont B15, Onewen, Sarah, Skinny Seahorse, Souriset, et en tout cas, bonjour à tous. Il y a Anaïs Souli aussi, bah ça va très bien Anaïs, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui déjà de 1, il y aura un petit jeu à gagner durant ce petit live, c'est ça que je ne l'ai pas dit sur Twitter ni sur Facebook, j'ai juste dit sur YouTube, mais il y aura un petit jeu à gagner en fait, Indara, quelques petits jeux dont il n'y a pas besoin et qui se dit bah voilà. On va les faire gagner, j'en sais rien, donc voilà, on va vous en faire gagner un. Je te souhaite un bon courage en avance pour ton opération, ma belle. Merci beaucoup Ganou, donc je me fais opérer bah, mardi prochain. Voilà, donc je profite de ce petit live, de ce petit moment, de ce petit moment avec vous. Donc voilà. Mais c'est une opération qui est tout à fait bénigne. Hein. Au moment où vous, si y a une rediffusion, là, au moment où vous l'auriez vu, j'aurais été opérée, je suppose que tout se serait bien passé. Et que je sens maintenant je n'aurai plus de prêt et que je pourrais remanger des burgers, remanger des donuts, manger des pâtes, des trucs gras parce que ça me manque. Et il faudra juste pas que je reprenne le poids que j'ai perdu parce que j'ai quand même perdu 15 kilos avec la grossesse et tout. Donc c'est ce foutu truc, donc voilà. Qu'en penses-tu, petite haricotte? Même un peu plus mince pour courir avec toi dans les jeux quand tu seras plus âgée. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop belle. On parle tous à toi mardi alors. Bah écoutez, bah merci beaucoup pour vos encouragements, c'est super gentil. Atchoum, à tes souhaits. À tes souhaits. Bon, faut que j'arrête de parler avec ma fille parce que là, sinon vous allez me perdre. Donc, pour ceux qui se questionnent, mais pourquoi tu l'as sur les genoux? Parce que c'est le moment où elle est le plus calme en fait, c'est quand elles ont mes genoux. Et donc, entre les chats là qui se mettent sur la gueule encore une fois et le bébé qui fait du bruit, bah voilà. Coucou, Soso Kitty. Donc, mis à part vous faire gagner un jeu, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais refaire ma simself parce que ben, les autres ne me convenaient plus, l'ancienne ne me convenait plus. Et donc du coup, bah voilà, parce que j'ai vachement perdu de poids et j'aimerais la refaire un petit peu le visage, retailler un peu tout ce bordel. Donc voilà. Coucou Dani! Hello! How are you my friend? Donc voilà. Je vais commencer à faire de faire ça. Donc, hop, je vous mets l'écran du live. Le live. Et voilà. Là, je pensais que je peux bouger ma cam. J'aime bien que mes chats arrêtent. Indara, tu n'as pas envie de jeter le chat par la fenêtre, s'il te plaît? On peut hein, faire ça. Ça se fait, je jette le chat par la fenêtre. On peut pas faire ça. Ça serait pratique. Et voilà, comme ça, c'est mieux.
cette petite musique là. So shy. Je sais pas si vous entendez bien la musique, mais si jamais plus fort là, c'est moi qui s'est explosé les oreilles. Le lendemain de ma rentrée scolaire, haha, ouais Yannou, ouais, c'est le lendemain de ta rentrée scolaire, mon opération. Donc, je prends mon miroir, mon magnifique miroir, je vais le mettre là. Hop, date setup. Hop, et je vous la repartagerai bien sûr. Est-ce que j'ai de la faire sans cesser? Coucou Shani Shani. Est-ce que j'ai de la refaire sans cesser? Comme ça vous pourrez, bien que... Coucou Iman. Salut Pomoï. Ah mais oui. Ah oui, Haricot, tu es là. Donc, déjà, absolument contre le couleur, moi, je ne suis pas aussi colorée. Je suis, voilà, ma peau, c'est plus comme ça. Je te retire tes cheveux. Je vais soit en mode en me relooker, comme ça, vous allez voir, ça va être fantastique. Sans cesser, ça fait un petit challenge en plus. Bah ouais, c'est ce que je me dis, Naïwen, mais d'un côté, je ne sais pas. D'un côté, je ne sais pas si... Parce que le CC, de toute façon, vous avez tous les CC sur mon Pinterest. Special Sims 4, je vais vous rebalancer le lien. Pour ceux qui regardent la rediff, vous avez le lien sous la vidéo, donc... Voilà, et tout est trié, coiffure avec les coiffures, les vêtements avec les vêtements. Donc en gros, il suffit juste de regarder les CC que j'ai utilisés. Hop, aller checker les photos, cliquer sur le lien, et hop, on va laisser peser Micheline. Voilà, donc... Tout simplement. Bon, déjà, je n'ai pas un pif comme ça, je n'ai pas une bouche comme ça, je retaille un petit peu tout ça. Je ne suis pas aussi fine aussi, c'est sûr, je vais retirer ces fringues. Allez, la poêle. Oh, la petite musique là. Si tu pouvais entendre ça, la ricotte, tu kifferais ta race. Bien que ça, je pense pas, tu préfères plus Scorpion, style Lovignou et tout ça, toi. T'as plus des meilleurs goûts que maman. T'as plus les goûts de papa en fait, c'était pas plus mal en fait au final. Voilà, prends ta technique, c'est bien. Oh là 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 là, et bah dis donc, c'est calme sur mon Discord là, et s'il y en a qui veulent venir, vous pouvez aller copains, Dany, les Ganou et tout ça, vous pouvez venir hein. Ça va bien. Donc. Pour la tête. Je vais vous avouer que pour la tête, j'ai toujours peur de me lancer en fait, parce que je sais que je risque de me foirer à un moment ou à un autre. Bon, déjà. On va commencer par les nœuds. On va discuter peut-être le dire de manière plus générale, peut-être. Déjà, j'ai un menton plus large. Au niveau de la mâchoire, je regarde, j'ai une mâchoire un peu plus ronde. Pas aussi marquée. Mais peut-être que je la grossisse un peu. Je vais la grossir un petit peu. Bon, tu peux aussi muscler, hein, on va arrêter ça tout de suite. Bonsoir. Je suis décédé vocalement. Oh merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai une grippe et une bronchite en même temps. C'est bien Danik là que j'ai avec moi. Oui, c'est Danik. Mais je te reconnais même pas quoi, sa mère. Mais c'est qui? Il y a un abonné qui a pu venir me lancer sur Discord privé. Non, bah non, c'est le pingouin. Mais t'as une voix encore plus suave. Ah oui, non, mais là, c'est affreux. Ça fait 3 jours, j'en peux plus. Tu vas me filer la trique si tu continues. Oh putain. N'importe quoi. Bon, je regarde ça. J'ai pas de mâchoire aussi comme ça en fait. J'ai une mâchoire un peu plus carrée. Ah, peut-être plus comme ça. Voilà, mais je déconne à Dany, respire. Il n'y a pas de souci. Je déconne. Mais oui, je te reconnais pas là. Ta voix, non, mais... c'est. La choquance. Bah, en fin de compte, entre vendredi où les gosses avaient un mélange de grippe et de bronchite à la crèche. Ah oui, c'est vrai, tu bosses dans une crèche, donc du coup tu te chopes toutes les petites maladies de merde qu'ils ont. C'est ça, plus la pendaison de crémaillère samedi, où comme il faisait très chaud dans l'appart, on a laissé les fenêtres ouvertes. Oh, tu m'étonnes. Ah bah j'ai fait un combo, c'était parfait. Le combo gagnant. Et du coup le médecin m'a limite engueulé parce que il se rend compte que je repose pas ma voix. Ah parce qu'il sait que tu fais des lives et tout ça. C'est ça, ouais. Mais là, j'en ai pas fait depuis 2-3 jours, parce que c'est bah, impossible de parler, quoi. Enfin, là, ça va, parce que j'ai pris les médicaments, donc ça passe. Ah mais si tu reste pas ici, si tu vas être malade, hein, moi, je veux que tu puisses refaire tes lives, hein, poteau. Hein. Ou alors, tu fermes ta gueule. Non, mais, tu fermes ta gueule, c'est vrai. Pour pas que ça me fasse mal, faut que je parle en chuchotant. Du coup, ce soir, je vais faire un live ASMR. Ah, mais attends, mais on dirait que tu mues, en fait, quand tu... Mais c'est ça, c'est...
faire un live ASMR. J'ai 14 ans et ce soir je fais un live ASMR. C'est trop ça. C'est trop ça. Oh là là, sainte mère. Bon, du coup, je voulais quand même passer pour te faire un petit coucou. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais, Haricotte ? Elle est en train de faire du pédalo sous mes genoux. Dany a enfin une voix d'homme, Ganou qui dit mais Ganou, mais... Je suis pas d'accord avec toi, Dany, il a toujours une voix d'homme. Je suis pas d'accord avec toi. Coucou, welcome in Wonderland. Non, je suis pas d'accord avec toi, Ganou, il a toujours une voix d'homme, Dany. Toujours. Je me tâte, est-ce que j'utilise des CC ou pas ? Parce que j'ai pas les yeux si bleus, en fait, il y a aucun bleu dans les Sims 4 qui me convient. Ça, c'est turquoise, ça, regardez-moi ça. J'ai pas les yeux aussi bleus. Bon. Je joue un peu plus volumineuse. Basse aussi, me semble. Ah, ça, c'est plus ça. Les cuisses un tout petit peu plus rondes. Le ventre, c'est comme ça. Alors, les nichons, pour le moment, c'est comme ça, pour le moment. Ils sont plus platelets. Ouais, non, plus comme ça. Je vais dire. Indara, va un peu sur le live et dis-moi si ça me ressemble. Je sais ce que je vais faire. Utilisez CC, bon. Je dis. Ok, j'utilise CC. D'accord. Cette paire de seins. Bah, mon écoute. Dieu. C'est pratique le lait, hein. Bah, je sais pas si on peut dire que c'est pratique. C'est. Particulier, nous dirons. Ouais, c'est ça. À mon cou, j'ai un peu plus large quand même. Voilà. Sans les cheveux, par contre, c'est très perturbant. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Ah, tu vois ça, Haricotte ? Regarde mes sourcils. Mais non, ce cas, c'est que j'ai pas les sourcils qui sont super marqués en fait. Donc, du coup, bah. C'est un peu perturbulent. Là ? Ma mission. Et qu'est-ce que tu fais, Ricotte? Voiture, tout ça, y'a plus rien qui existe. Oh oui, c'est bien, la voiture, c'est parfait. Non, peut-être pas ça. Ouais, c'est plus ça, je pense. Yay! Et merci pour le follow, bienvenue à Lolita45, merci pour ton follow. C'est éventuellement, je dis ça fait longtemps que bon, j'ai fait mon retour tout doucement. Comment vas-tu? J'ai vu beaucoup de nouvelles choses sur ta chaîne. Oui, beaucoup de nouvelles choses, oui. Et vous allez voir, il y a une vidéo qui, si je finis le montage tout à l'heure, devrait sortir jeudi. Une petite vidéo découverte sur le jeu My Time at Portia. Donc vraiment découverte et je vais voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, en fait, je vais souvent voir pour mettre My Time at Portia comme série fixe à la place des Sims Permis de Sortir. Et alors on terminerait les Sims Sortir en live. Coucou Kazim, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Donc ouais, maintenant ça sera un petit peu à voir si vous êtes réceptif à ce qui se passe, à la vidéo My Time at Portia, si vous aimez bien ou pas. J'ai pas des oreilles aussi... Comme ça, ouais. Yay, merci pour le follow. Un petit peu les yeux. J'ai carrément retiré mes... Bienvenue à Lico. Bienvenue à toi, Lico. Bon. Un petit peu... À l'arrêt du nez un peu plus large. La pointe du nez un peu plus petite, ça. Inda, je crois que tu vas pouvoir prendre notre fille pour aller chercher parce que t'es en train de me chier dessus. Enfin... Mais je suis pas dessus parce qu'elle est habillée, hein, elle a son linge et tout, mais elle a fait un gros prout. Je sais pas si ça s'est entendu dans le micro. Mais elle a fait un beau gros prout des familles. Hop. Voilà. Pour les lèvres, c'est plus comme ça. Bon, du coup, moi je vais te laisser tranquille. À ton aise. Je vais me poser avec mon petit thé, mon miel devant ton live. Bah écoute, bien à ton aise. Et puis on va reposer la voix. La voix. Des bisous. Des bisous, Dany, prends soin de toi. Oh là, le pauvre pingouin ou quoi?
C'est pour ça que tu t'agites autant en fait, tu poussais pour faire caca. Hein, haricote. Ah, ma petite haricote. Ma petite haricote, tu poussais pour faire caca. Oh là là. Ma limite, The Time Adventure est trop bien comme jeu, j'y joue depuis la bêta. Bah franchement, moi je le découvre là. T'as pas à avoir honte de ta voix, Dani. Salut, c'est Normao. Ouais. Bon. Attendez, je vais juste... Parce qu'en fait, je vois que dalle, en fait. Je fais ça juste pour voir un peu les trucs, mais... Un petit peu par rapport... Là, je pense que la hauteur... Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je pense que la hauteur bouche... Bouche-nez, le ratio qui est entre l'espace ici est bon. L'espace entre le nez et les yeux est bon. Maintenant, le nez, en fait, ce qu'il y a ici... C'est plus comme ça. Un peu plus grand. Voilà. J'ai vu un live de Luciole sur le jeu Madame Attentat, il a l'air cool. Mais moi j'ai vu celui sur le live de sur la main est un peu plus marqué, je trouve. Mais oui, mais ce qu'il y a, c'est que le jeu a ses limites en fait, et je sais pas en fait marquer plus en fait, tu vois. T'as pas de. Enfin. De côté, je sais que j'ai le menton un peu plus avancé. Plus, ouais. Et mais je peux pas la marquer plus en fait, c'est ça le problème, tu vois. Indara, je crois que ça s'agit. Tu sais venir prendre le colis, s'il te plaît. Je sais pas si tu vois ce que j'ai sur ce Kitty, mais je peux pas la marquer plus. Et bienvenue à Fanny's Game. Merci pour ton follow, Fanny. Mon menton est moins pointu. Est-ce qu'il y a en fait la différence en fait qu'il y a dans les Sims en fait. Attendez, je vais juste hop, faire ça deux secondes. Je vais passer ma fille à Indara et que je veux pas afficher ma fille sur internet. Elle a fait un gros prout en tout cas. Ah, je crois qu'elle vient de cracher aussi sur le coussin. Il y a des choses sur le coussin. C'est pas grave. Bon. Hop, c'est pas grave. Hop. Maintenant l'ennui, enfin pas l'ennui, mais le truc qui a, je sais pas comment t'appeler, je peux t'appeler Moss. Moss B15, le truc qu'il y a en fait, la différence que vous avez par rapport aux Sims en fait, c'est que vous avez les ombres qui sont plus marquées ici que dans la vraie vie en fait, mais parce qu'en fait moi mon menton il arrive là en fait, tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que tu dis que mon menton est moins pointu, donc oui là il est moins pointu, mais... Enfin... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le jeu marque plus en fait. Que dans la rime, en fait dans la rime c'est moins marqué quand je... Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Parce que vraiment c'est pas pareil. Dis-moi si tu as compris ou pas et si tu vois ce que je veux dire. Mais les lèvres me sont vraiment correctes par contre elles. Le nez me semble correct aussi parce que j'ai la petite bosse aussi sur le nez comme ça. Oui, c'est moi, je trouve que ça te correspond plus. Oui, ok, bah ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, la hauteur sourcil, yeux me semble correct, la hauteur... Non, peut-être pas. Attendez. J'ai un miroir juste devant moi, vous verriez le setup. Vous savez, quand je vais vous faire une photo du petit setup là que j'ai là juste devant moi pour que vous... Coucou Adamantium. Hop, hop. Que vous compreniez mon petit système D là que je suis en train de faire là. Vous avez le miroir comme ça avec le live, hop. Hop. Si vous voulez un petit peu voir, alors. Comment? Que dalle, mais. Pourquoi est-ce qu'elle fait des proutes aussi énormes alors qu'il n'y a rien qui sort? Oh, tu déconnes?
Comment elle a pu aller là? Oh purée. Bah au pire tu me donnes la petite et... Ou tu me mets dans le parc. Ouais, donne-la moi plutôt. Hop, désolé les gars, je dois passer mon temps. Voilà, tu peux me la donner. Ah, elle a le hockey en plus. Ah oui, elle a le hockey, effectivement. Ma tétine est où? Excusez-moi les gars, hein, c'est un tout petit truc bébé, hein, je vais repasser en écran normal. Voilà. Faut bien que je switch de manière comme ça, des petits systèmes D. Hein. Je crois que tu peux la prendre. Elle vient de faire un de ses vents, mais je suis sûre que même les abonnés l'ont entendu au micro. À chaque fois qu'elle dit, tu vas la prendre. Ah oui, mais non, mais... Non, non, mais d'accord, c'était un peu mouillé, mais d'accord. Tiens. Tiens, la belle. Bon, si elle m'a firale, les gars, vous aurez compris, c'est qu'elle fait caca et que son père, elle va l'embarquer. Donc voilà, ceux qui veulent voir, j'ai mis mon lien vers mon Instagram dans le live. Hein. Faut aller voir ceux qui veulent... ceux qui regardent la rediffusion, limite, bah voilà. Ça fait bien en dessous. Ah, coucou Ange Rouge, salut Miss. Donc... Je sais pas si vous entendez ça, j'ai ma fille qui arrête pas de péter. Mais dis donc, mademoiselle. Coquine. Donc au niveau des yeux, maintenant c'est vrai que ça va être compliqué parce que je suis maquillée aujourd'hui. Donc hop. Je dirais que les yeux sont plus pendants comme ça. Voilà. Comme ça. Ça me semble correct. Les sourcils, peut-être rien plus haut. Non, plus haut. Oh bah oui, tu me regardes là. Putain, elle joue de la batterie avec ses pets. On entendait ou pas en fait, je sais pas. Bon, elle pète, écoutez, c'est un être humain. Hein. C'est comme ça. On peut dire que elle se la pète. Non, on peut pas. Ma fille caca très bien. Voilà, les sourcils un peu plus loin comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas de sourcils un peu moins fournis parce que j'ai pas des sourcils aussi fournis. Si je mets ceux-là, ça va faire trop bizarre. Oh non, ils sont dégueulasses ceux-là. Voilà. Coucou Lolita. Bienvenue à toi Lolita alors du coup. On entend un petit tum 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 tum. Ok. Mais dis donc, et maman, elle se serait jamais permis de péter en live, ma chérie. Hein. Même si elle l'a déjà souvent déjà fait, mais des silencieux. Les yeux un peu plus rapprochés, je pense. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très difficile de faire quelqu'un dans le film parce que du coup. Enfin. T'as presque ton... Mais ouais, c'est ça en fait, j'ai presque. Mais je vous jure que j'en ai, mais oui, ils sont vraiment. Ils sont pas super fournis en fait. Les silencieux, les pires. Alors moi, je peux vous garantir que l'épée silencieux d'Indara, ben ça va. C'est quand il faut du bruit que là il faut se planquer. Ouais, du coup, en fait, je sais pas trop comment, quelle modification je pourrais, parce que je sais que ça me ressemble pas trop, mais je sais pas trop comment, par où aller, en fait. Regarde un petit peu, comme ça. Ça me sort déjà mieux. Oh, cette musique, là. T'as les sourcils de Lady Gaga. Je sais pas les sourcils qu'elle a, Lady Gaga. J'avoue. Quand je dis le premier live que je vois, je regardais le téléspèce de 100 bébés, je suis en retard. Oh, c'est pas grave, Lico. Bah, écoute, bienvenue à toi sur les lives, du coup. Hein. Installe-toi, pose-toi. Donc, qu'est-ce que je peux encore modifier, les gars? Dites-moi un peu, les gars et les filles. Mmh. Coucou. Y a qui est là? Oh, dis donc, mais oh, y a du beau monde. Et coucou bébé, coucou roi. Ça va? Bah ça va, j'essaie de me refaire les Sims, mais je galère un peu. Oh. Bah oui. Et j'ai ma fille qui me fait des proutes sur moi.
Elle te fait des... Elle fait des proutes sur moi. Le seul moyen pour que je puisse live en toute tranquillité, c'est de l'avoir sur moi, en fait. Bon, on la voit absolument pas à la cam parce qu'elle est couchée sur mes genoux, sur un coussin. Et alors, elle fait des petits pets. Et chaque fois, je crois qu'elle fait caca, donc je dis à mon mari, ouais, elle a fait caca. Il est en mode, mais non. Enfin, voilà, donc... Mais non, elle a pas fait caca. Pas encore. Pas encore, voilà. Ah là là. Et alors, quelle nouvelle, les amis? Ah, ça va? Oui. Je viens de faire une magnifique villa, la villa de Macron. Hein? Sur les cubes, j'ai fait la villa de Macron. Oh. Mort de rire. Ça va. Ça va. Oh, hier soir, j'ai eu un peu la trouille, mais... Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais bon. Non, bah, c'est pas moi, mon frère, ma belle-sœur qui m'appelle et qui me dit « Ouah, ton frère est aux urgences à l'hôpital, il fait une embolie pulmonaire. » Je suis au putain. Donc je regarde sur Internet pour voir si c'est grave ou pas. Oui, effectivement, très grave. C'était marqué « Ça peut entraîner le décès du patient et tout, tu sais. » Donc je me tape une bonne flip. Ouais. Grosse flip, hein. Et puis... Et puis en fait, c'était pas ça. Bon. Ah, bah tant mieux. Bah heureusement d'ailleurs que c'était pas ça, mais bon, donc ça. Mais j'ai eu quand même très très peur. Ah, putain, je te jure. Pas sympa de faire des frayeurs comme ça quand même. Ouais. D'un côté, j'ai envie de dire, je préfère qu'on m'annonce le pire pour m'attendre à quelque chose, en fait, que ce soit pas ça. Oui. Plutôt que l'inverse. Que l'inverse. Tout va bien, tout va bien. Et puis en fait, t'as un cancer du bras droit. Oui, voilà, c'est ça, quoi. C'est toujours embêtant. C'est complètement ça. C'est classe, ça. Et merci pour le follow, Louis, tout simplement, 73. Bienvenue à toi. Coucou, Ouche. Ouche. Oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Ouche Dwin. D'ailleurs, c'est un abonné à toi aussi, il me semble. C'est Mac Ouche. Vu que t'es en pleine dent, Mac Ouche. Oh. Oh, c'était nul. Bon, c'était nul. Pardon. On l'attend. Ah mais oui, mais... C'est trop bien. Non mais, Indara, je pense vraiment qu'elle a fait caca parce que là, elle râle maintenant. D'accord. Puis t'as les odeurs en plus peut-être aussi. Non, j'ai pas... Non, comme c'est que les maternelles qu'elle boit, ben ça va justement. C'est que vers d'ici quelques mois, quand elle mangera un peu plus... Ah oui, est-ce que tu peux venir? Il y a la bombe qui explose là. Caca nucléaire, comme dirait le troll. Je crois, hop, voilà. Je cache l'écran comme ça. Ma petite fille, hop, pas sur les réseaux. Et hop là. Merci, mon chéri. Parti s'occuper de bébé. Ah oui, mais je mets ça, mais en fait, juste pour le temps, en fait, parce que ce cas, c'est que comme elle est couchée sur moi, j'ai pas envie qu'on la voie, en fait, en vidéo, parce que c'est pas... Enfin, voilà, quoi, j'ai pas lui imposer ça. Donc, du coup, je mets juste ça, en fait. Comme ça, quand je suis toute seule en live et que je vais vite la changer, je mets ça, je fais une petite pause, et puis, hop, là, je reviens. Mettre les petits systèmes D quand on est youtubeuse et maman, hein, voilà, tout simplement. Ah là là, tu me fais rêver là. Oh. Ah bah moi, bah nous c'est loin, hein. Ça fait longtemps. Hein. Ouais, j'avoue. Mais bon, là t'es parti pour 20 ans de bonheur. Toi. Enfin, de bonheur et d'emmerdement aussi. Je rigole parce que ça on dit c'est 70% d'emmerdement et 30% de bonheur. Mais en fait, les 30% de bonheur ils sont tellement puissants que ça va couvrir les 70% d'emmerdement. Mais... Et c'est vrai! Bête question, est-ce que vous trouvez que c'est un peu plus ressemblant? Ou pas? Que c'est un peu plus ma tronche ou pas? Attendez, je vais la maquiller un minimum. Tu peux pas lui mettre une paire de lunettes? Bienvenue à Dario, merci pour ton follow! Ouais, je vais regarder pour faire ça. J'aurai les lunettes qui vont bien à mettre en plus. Hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux ou pas? C'est nickel celle-ci. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais. Et donc, je vais maintenant taper le petit maquillage, le petit make-up, et je vais la partager directement. Respire, jeudi. Je vais la partager directement dans la galerie, comme ça vous l'aurez. Et vous pourrez faire ce que vous voulez avec mon corps dans les Sims. Mais que dans les Sims. C'est bien de préciser, on sait jamais. Ah ouais, mais bon. Déjà que, je sais pas si vous avez vu, je me suis fait un petit compte Vinted pour revendre des fringues. Oui, j'ai vu les tweets passer. Et comme j'ai pris des lolos, je revends mes soutiens-gorge. Et j'ai limite peur de ce que les gens pourraient en faire, en fait.
Mais bon, bah, je vais pas garder ça chez moi, quoi. Ils sont trop petits, donc voilà. Ah, c'est pas mal mieux quand même, comme ça. Oh, j'aime bien. Et... peut-être utiliser celui-là parce que c'est peut-être un peu plus naturel. Enfin, les petites lignes sont vraiment bien sympas. Je trouve que ça fait un bel effet. Ah oh ouais, c'est cool comme ça. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est ressemblant? Oh, Dani! Oh, je dis Sims avec Weekend ou bah, tu vas te calmer tout de suite, hein. Mais Dani, là, ce que tu dis là, c'est pas très gay, hein, c'est très hétéro tout ce que tu dis là. je dis lunettes, parfait, coupe, nickel, juste les petits sourcils plus clairs. Mais ouais, mais les sourcils, je sais pas ce que je pourrais. Enfin, peut-être quitter c'est des plus clairs, mais. Ah ouais, peut-être comme ça. Plus clair comme ça, limite, même si c'est pas ma vraie couleur, je trouve que ça fait plus ressemblant pour le coup. Ah, j'avoue. Par contre, je regarde ici, mais c'est pas aussi creux comme ça. C'est plus comme ça. Ouais, voilà, c'est plus comme ça. Avec les petits fers à joues. Oups. Bon. Salut Bald de Sandor TV. Ils sont pas hyper apparents tes sourcils, du coup, les mettre plus clairs, ça les efface un peu et ça te ressemble mieux. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Par contre, l'eyeliner, je le mets pas aussi loin pour mes yeux. Parce que je suis trop une quiche quand je veux le mettre, donc du coup, je le mets pas aussi loin. Non plus. Ouais, c'est plus... plus ça. Ah ouais, plus ça. C'est ressemblant, ouais. Je regarde ici comme ça. Mon manteau n'est pas aussi avancé. Et l'espace ici, en fait, entre... Je fais comme ça, ouais. L'espace ici entre la bouche et les joues n'est pas aussi renfoncé, en fait. Ça, mais je sais pas le faire. On sait pas modifier ça. Comme de quoi les Sims, c'est plus des caricatures que vraiment des vrais personnages qu'on refait à fond. Salut Ameru! Qu'on refait à fond. Bon, enfin, t'as quand même pas mal de possibilités. Oui, quand même, c'est sûr, mais ça reste quand même de la caricature et pas du truc qu'on refait vraiment quoi, à fond, à 100%. Quoi. Quelqu'un que j'ai eu très dur à refaire, c'est Roi quand je t'avais refait. Parce que si je te mettais en troisième âge, en sachant que t'es pas encore dans le troisième âge, ça devait être trop vieux, mais quand je te mettais dans les adultes, eh ben... ça faisait pas assez vieux. Et j'étais en mode, mais comment est-ce que je vais faire? Tu veux que je devienne mal poli là ou quoi? Mais non, mais... Ouais, ça faisait pas assez vieux, non mais ça non, va mais pas ça te ressemblait pas, voilà, si tu préfères. Ça ne te ressemblait pas assez, voilà. Ça ne te ressemblait pas... assez, voilà. Désolé si je t'ai vexé. Désolé, c'était pas le but. Il en faut quand même beaucoup pour me vexer. Mais c'est ce que je me disais, c'est ça que je me suis permise. Non, mais je rigole. Hein. On va se voir à la mi, on va mettre une dans la goule. Ouais, non, je serai pas à la Mia, je suis pas invité. Bref, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi, mais... Aurélien non plus. Une prochaine Mia, hein, c'est pas la dernière qu'ils vont faire. Hein. Attends, le youtubeur belge qui fait le plus de vues gaming... D'accord, il n'est pas invité à la Méline Asia à Bruxelles. Ben, moi en fait... Cherchez l'erreur. Moi, il m'avait invité en fait... Mais ils me payaient juste le parking. Hein? Donc ils t'ont pas invité, quoi, en fait? Bah, ils m'ont dit, oui, on vous invite, machin. On vous défraie le parking. Je t'invite à manger, mais en fait, t'amènes ta bouffe, quoi. Ouais, c'était un peu ça, oui. Je t'invite à manger, mais tu ramènes le rôti de porc. C'est un peu n'importe quoi. Et je leur expliquais. C'est un peu n'importe quoi. Bah, surtout qu'en plus, si je te fais. Non, maintenant, c'est forcément avec ma fille parce que bon, hier, elle a eu 7 semaines hier et je peux pas la laisser tout un week-end si petite ouais, avec. Non, voilà quoi. Temps. Donc maintenant, oui, j'aurais pu. Enfin, durant les dicas, il y aurait eu clairement moyen qu'une d'art s'en occupe. Hein, voilà, comme je l'aide, je tire du lait à l'avance, des choses comme ça, il n'y aurait pas eu de soucis. Mais. Enfin.
non quoi. Alors ouais. quand je leur ai expliqué moi les frais que ça me coûtait, je dis voilà, je limite défrayez-moi pour ces frais là, ils m'ont dit mais non, mais de toute façon il est significatif que vous gagnez en abonné après une convention comme la MIA et tout. Et j'ai dit oui, mais en vrai, en fait, la MIA, c'est pas la convention où je gagne plus d'abonnés après. Je gagne limite plus d'abonnés dans les petites conventions où les gens viennent plus vite me voir parce qu'il y a moins de monde, où ils prennent la peine de discuter, que dans les grosses conventions où il y a plus de monde et ceux qui connaissent pas ne viennent pas. Et donc, du coup, ben voilà quoi, il n'y a pas de lien entre guillemets qui se fait quoi. Mmh. Et du coup, j'ai fait dire oui, mec, mais il y en a quand même qui est exprès pour moi. J'ai quand même un abonné qui venait de France qui m'a dit bah écoute, t'es pas là, bah j'y vais pas. Donc. Voilà. Ouais, non mais puis bah moi c'est clair que je veux pas y aller si j'ai même pas d'endroit pour signer des autographes pour les gens qui me le demanderaient, tu vois, c'est n'importe ouais, bah, quoi. Ouais. Quoi, donc, Moi je pense que j'irai le samedi quand même, mais juste le samedi et enfin voilà, on va voir. Parce que je suis quand même pas sûre parce que enfin, ma fille elle est encore assez difficile le soir, quand on rentre dans un endroit qu'elle connaît pas, elle est assez difficile. Voilà, ça fait des petits pleurs, ça fait des petits pleurs jusque tardif, enfin, jusque tard, donc oh c'est joli ça. Lorindara. Ouais. Ah ça a débordé. Ah bah je t'avais dit, tu me croyais pas. Caca nucléaire, il me croyait pas. Mais ça a débordé, qui me fait comme ça maintenant genre. T'avais raison. Par contre, le coussin qui me fait un peu chaud. Indara, je mets le coussin sur le lit, si jamais tu... sur le lit, moi, sur le canapé, si tu le veux. Bon, elle peut tomber, c'est pas grave. Donc, comment est-ce que je vais fringuer ma Sims? Par contre, je trouve qu'elle a vraiment un air de sainte nitouche, là, pour le coup. Je trouve que les yeux sont pas assez rapprochés, pour le coup. Oh là là, elle boude, ça boude. Ça ah. Boude déjà. Elle est boude. Ah ok. Papa l'a pris un peu en portage pourtant. Ok. Bon, je FK en fait. Oui, là, je t'en prie, roi. En tout cas, c'est un jeu. Je te fais des bisous, je reviendrai plus tard. Des bisous, roi. Ou, ah bah oui, parce que. Ouais, non, bah je te fais des bisous tout court. Ok, ok, bisous. Ciao. Ah, après, il y a son live à lui qui démarre. Bah oui, dans 40 minutes, ouais. Donc, il y a coucou Morwenwitch. Morwen ou Morwen, coucou l'oxyde. Si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Ouais, voilà. Donc pour ceux qui veulent un peu aller voir ce que Roi Louis fait, donc le brave monsieur que nous avons eu en vocal là, donc il fait du Minecraft, donc là voilà, vous avez le lien qui apparaît sur dans le chat, voilà. Et je sais qu'il live à 18h, donc voilà. Je sais pas, je crois qu'il fait du PUBG aujourd'hui ou du... Je sais pas. Du Assassin's Creed. Je vais peut-être bien, je verrai un petit peu ce que je fais à ce moment-là. Je vois Kinda est partie dans la chambre avec la petite pour essayer de... Fais mon live calmement, quel ange. Donc là, je vais garder après des petits vêtements qui pourraient être cool. Moi, pour le moment, je suis très t-shirt décontracté. T-shirt un petit peu ample, cool, décontracté. Donc je sais pas trop ce que je pourrais mettre. Ah bah si, je sais. Je vais mettre un type de mec. Est-ce qu'il y a des trucs de mec qui pourraient aller? Genre un t-shirt comme ça. Ah ouais, il y a des fringues de mec qui tombent super bien. Ah, ça aurait été cool ça, mais maintenant c'est plus le cas. Oh, il tombe trop bien celui-là. Ouais, pas mal. C'est tout des modes ces habits-là. Ouais, c'est tout des modes, ouais. Ah, un petit t-shirt Zelda. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? D'autres trucs? Hey, listen. Moi, je mets beaucoup de t-shirts geek. Beaucoup de t-shirts geek. Did you just call me Zelda? Il est génial ce t-shirt. Mais et ce qui est dommage, c'est que ouais, celui-là est pas mal. Le bleu comme ça, c'est pas mal. Alors, ça doit être pas d'autres. Poussin. Ah zut, pourquoi ça va pas être en plus bas? J'ai un bug avec le truc. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est quoi ce truc? Ah, il y a une meuf qui a baissé son prix sur un truc sur Vinted, un truc que je kiffe grave. Je regarderai ça après.
pour les mecs, j'arrive pas à les habiller sans cesser, les habits de base, je les trouve pas top. Ça dépend un petit peu le style, Marwen Witch. Rigole, mais pour parler de ton petit bébé, plus ma soeur qui a accouché, j'ai envie d'avoir un petit bébé moi aussi. Ben pourquoi pas, Dani? Oh, j'ai pensé à toi, Dani. Je sais pas si t'as vu, j'ai retweeté ça sur Twitter, il y avait un couple de pingouins, ou de manchots, je sais plus, homosexuels. Donc c'était au Sea Life de Sydney, donc les éleveurs ont confié un œuf abandonné de bébé manchot pingouin à ce couple gay de manchots, et ils se sont occupés de lui, enfin ils s'occupent de lui, et ça je trouve ça génial. Donc les gens qui disent oh, l'homosexualité machin, c'est contre nature, mais les gars, même chez les animaux il y a des homos, donc arrêtez avec ça, c'est juste ridicule. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu homophobes et cons sur les bords. Et t'as vu Maud Bettina, Marie, je sais pas si tu connais, elle est enceinte. Je sais pas du tout qui c'est. En prime des pingouins. Mais oui, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, mon poteau. Bon, du coup, je me tâte. Est-ce que je mets... Oh, il est cool, celui-là. Mais non. Il est classe aussi, celui-là. Plusieurs couleurs. Ouais, elles sont jolies. J'ai des t-shirts qui fait un peu geek en fait. Oh, il est cool celui-là avec la avec le poudrier et le comme une manette. Oh, je vais laisser celui-là. J'aime bien. Et on va mettre un jean si je peux trouver un petit jeans bootcut, parce que ça je mets pas mal de jeans un peu larges pour le moment. Ça fait c'est bien parce que je mettais toujours du serrant. Pour moi, je suis en mode je mets du large quoi. Voilà. Là pour le moment, c'est typiquement la façon dont je me mets pour le moment. Typiquement. Je suis en mode, j'ai besoin de confort quoi. J'ai tellement été serrée dans mon corps durant des mois que voilà. Bon, sinon, on a bientôt fini la saison 1 de Unbreakable Kimmy Schmidt. Ah, et alors, t'en penses quoi? Il y a une critique qui s'est sortie cette semaine sur cette série. Ouais, mettre des Converse, mettre des rouges. Même si j'ai pas du tout de Converse rouge, en vrai, on s'en fout, moi, c'est la sortie au t-shirt. Ah ouais, j'aime bien comme ça. Bon, ma petite Jodie, je vais la faire célibataire. Hein. Elle va pas avoir de mec maintenant. Par contre, le maquillage est beaucoup trop élaboré. Beaucoup, beaucoup trop élaboré. Donc, on va mettre un maquillage plus naturel. Comme ça. Ouais, voilà, ça c'est mieux. Et on va mettre un petit collier. Un petit truc tout simple. Comme j'avais pour le moment un truc vraiment tout simple. À la base, il y a une petite fée qui est le décor. Mais voilà. Pour ceux qui montrent, en fait, ceci, c'est un collier d'améthyste. C'est un collier avec des pierres qui calment, qui sont censées apaiser. Et celui que j'ai le bobo new-yorkais, il est tellement drôle, ça me fait un peu penser au cœur de ses raisons. Oui, c'est vrai. Oui, Dani, c'est vrai. Coucou Aurélie Aouzou. Aujourd'hui, je compte sur toi. Ok, bah écoute, t'es bien tombée. La scène me fait mourir de rire. Elle est géniale. Je trouve même qu'on voit pas assez Titus. Mais oui, Titus, il est génial. Il est génial, Titus. C'est... Mais c'est. Titus, quoi. À moi, plutôt de mettre celui-là. Ouais, c'est pas mal. Et sur ma Vivi, quoi de neuf? Depuis le temps que je n'étais plus parlé, parce que le temps me manque. Oh, bah rien de spécial. Je me suis acheté un nouveau matelas aujourd'hui, pour mon lit. Ça faisait des années que je dormais dans un matelas moitié abîmé. Ça faisait des années que je dis, il faut que je m'achète un matelas, mais bon, les sous ne suivaient pas, donc... Là, j'ai profité des soldes. C'est mine de rien, un matelas, c'est assez cher. Ouais. Dani, pinot noir, j'avoue. Pour Ruby. Donc oui, pour ceux qui comprennent pas dans le chat, ceux qui voient la rediff dans le avec le petit chat, en fait, Dani se tape un trip sur la série Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est une série vraiment top que je vous recommande, qui est à mourir de rire. Voilà, je l'adore. Non, j'ai toujours mon quartz rose, on le recharge bien avec du sel, dans un verre avec de l'eau salée. Ouais, tu peux faire ça, Dani. Tu peux faire ça ou alors bêtement de l'eau aussi. Dans de l'eau toute simple, ça fonctionne. Bah, plus pour le purifier vraiment que le recharge. Enfin, ouais, ça suffit ça, je pense. Moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez le charger à la lune et au mieux. À la... Ouais, c'est vrai, ouais, Morven Wait, ouais, c'est vrai aussi. Mais t'es pas obligé. Maintenant, le charger comme ça, moi je fais absolument pas, moi je mets juste dans l'eau une nuit et ça aide déjà bien. Par contre, la fin de la saison
The Good Place, c'est non, pourquoi? Ouais. Ouais. Niveau bracelet, ça j'en mets quasi pas. Est-ce que j'aurais quand même pour mettre un petit comme ça, un petit tout simple? Comme ça, tout simple. Est-ce que j'ai du mets en rouge? Non. Ouais, non. Non. Ouais, non, ça c'est déjà trop élaboré. Non. Non. Plus des choses comme ça que je mets en fait. Yeah, pas du tout avec le pépot, donc je vais pas mettre ça. Yay, yeah, bienvenue à Camille28, merci pour ton follow. Moi je veux bien que tu fasses une vidéo sur tes pierres. Ouais. Ouais, je peux voir pour vous faire ça. Maintenant, ce cas c'est que je risque de lire beaucoup de mains parce que je suis pas la plus grande pro pour tout ce qui est lithothérapie. Parce que bon, il y en a qui... il y en a qui vont vous dire, ouais, les pierres, faut les recharger au soleil, à la lune, faut le mettre dans l'eau, faut faire les deux. Tout dépend en fait de vos croyances à vous en fait, parce que tout ça c'est fort sur les croyances. Il n'y a pas de bonne... Maintenant c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Il n'y a pas de bonne façon de faire, je pense. Peut-être que je me trompe, mais voilà, moi c'est mon opinion. Bon, je connais rien du tout, du coup, je ne dirai rien. Tu me la donnes ? Ok. Hop. Ouais, par contre, faut que tu donnes le coussin du coup. Ah, mon téléphone qui a de se casser la gueule. Merde. Bon, après les chiottes, pas casser ce téléphone-là, s'il vous plaît, parce que j'ai un téléphone qui a été fait un petit peu dans les chiottes cette semaine et qui est passé en réparation d'ailleurs aujourd'hui. Quelle drôle d'idée. Ben... il est tombé de la façon la plus ridicule au monde en plus. Mais bon. Ah bah, c'est toujours comme ça, hein. Sinon c'est pas drôle. Oh, tu as mis son petit pyjama tout mignon. Elle est trop mignonne comme ça. Qu'elle est belle. Oh mais que tu es belle, mon âge. Maintenant qu'elle est toute propre, on va plus râler, hein. On va plus râler. Tu veux? Bon, je vais mettre hop, ma gueule. Je suis tout revenu de la croix rose pour le stress, voilà, même si j'y crois pas trop, j'ai ce petit espoir que ça marche. Donc... C'est ce que ma meilleure amie m'a lu les cartes samedi, ouais, c'était très, très étrange. Ah ah! Bah maintenant, ce qu'il y a, c'est que le quartz, c'est plus une pierre d'amour que... C'est une pierre qui sert anti-stress, mais qui limite plus les effets du stress, en fait. En gros. Voilà. Mais l'idéal pour le stress, c'est plus l'améthyste. Voilà. Donc. Je vais retirer mon miroir, parce que je pense que globalement, ça tronche. C'est bon. Au niveau de la démarche... La démarche de Super Beaches. Voilà. Dara, est-ce que sur toi ça me ressemble ou pas? Par rapport à la corpulence, par rapport à moi. Ouais. Ouais. Putain, j'ai fondu à ce point-là. Mais oui, mais quand même, quoi. J'ai jamais été comme ça. Si, oui, il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Ouais, plus comme ça, ouais, c'est pas mal. Au niveau de ça, bon, je vais mettre... Oh mon dieu, une célébrité de renommée mondiale. Non, je m'en bats les reins. Ami de tous, c'est très bien. Comme trait. Extraverti, déjà. Je peux mettre le trait suite. En fait, ça c'est que... Attendez, je vais bouger ma cam. Je vais juste bouger un petit peu ma caméra, hop. Non ! Ah ! Je me fail. J'ai mon petit logo, voilà. Ah oui, mais non, mais je peux pas bouger à cause des trucs, vous verrez pas les... Ah mince ! Ah ! Bretzel de merle. Yeah ! Yay, merci Polo, bienvenue à Keitsu. Merci pour ton follow, bienvenue à toi, pose-toi. Donc... Il y a des traits en fait que moi j'ai rajoutés, qui ne sont pas dans le jeu et que vous pouvez trouver. Donc d'ailleurs ils sont aussi sur le Pinterest, hein, vous y allez. Vous êtes très belle. Tu peux dire tu, hein, Morvanwitch, tu peux dire tu. Après des pierres qui ne supportent pas l'eau aussi, c'est pour ça que je ne me suis permise de le dire. Mais tu peux, il n'y a pas de problème, écoute, je t'en prie, moi,
Moi, je suis pour qu'on parle de ça. Moi, ça me semble qu'on parle de ça et que tu puisses me rectifier à Morwan. Il n'y a pas de souci. Bon, qu'est-ce qu'il y a, écoute. Ah, bah, il t'a pas dit ta tête, putain. Donc, au niveau des traits que j'ai ajouté Adventurer. Donc, c'est un Sims qui m'aide à explorer des choses. Mais tiens, regarde ta tétine. Pourquoi tu boudes? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attendez, elle s'est un petit peu, je vais un peu la calmer. Je reviens. Ok. Voilà. Hop. Bah en fait, je l'ai mise au sein. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Elle avait faim, en fait. Donc, mais là, vous ne voyez pas du tout, parce qu'on a quand même tombé pile au bon endroit. T'es assez vieille pour être vous voyez. Ouais, mais non. Mais non, Dani, non. Dites-moi tu, hein. On se prend pas la tête. Donc, je disais, au niveau des traits, donc, j'ai ajouté le trait Adventura, donc Exploring. Donc, qu'en gros, ça dit que le fait d'explorer des choses apporte de la joie aux Sims. Qu'il aime bien qu'il aime être dans la jungle, dans l'espace ou la cave, dans la cave, donc dans les grottes, est un choix de vie qu'il aime bien. Voilà. Donc, en j'aime gros, bien être dans la cave. Dans les caves. Mais oui, mais c'est parce que mon cerveau ne traduit pas correctement. Non, c'est pas respect. Non, mais Morwan, tu peux vraiment m'appeler, tu peux vraiment dire tu. Donc il y a le trait Aphrodite, trait que vous voyez mais tout le temps dans Victoria, parce que je crois que le maquillage de Victoria a ce trait. Donc ce Sims est naturellement magnifique et croit en l'amour. Art of procréation, painting. Croit en l'amour, l'art, la création, la peinture, l'instrument, la passion. Ok, donc il peut facilement évoluer dans les arts. Sims Aphrodite. Tu feras moins envie de rejeter. Beware the Aphrodite Sims to crush it by a lover. Ok, d'accord, on s'est compris. Hein. sinon, j'ai le trait neurotique, Sims of an incredible life. Bon, je sais plus ce que c'est, mais apparemment. Au moment où je l'ai déjà, je crois que le site expliquait bien ce que c'était. Mais là, pour le coup, voilà. Pas si vous voyez correctement, s'il y en a qui veulent le traduire, vous pouvez. Ouais, s'il y a des pros en anglais. Voilà, parce que ce qu'il y a, c'est quand même sur le site de mode de Sims, ça devait être mieux expliqué en fait. C'est ça que j'ai dû le prendre. Le trait spirituel, donc ce Sims croit dans les pouvoirs, dans les formes de méditation et de réflexion. Je crois que je vais mettre spirituel à ma Sims. J'ai envie de faire ça. Dans les autres traits que j'ai téléchargés, il y a le trait anticonformiste. Voilà, je pense pas qu'il y a besoin d'expliquer. Il y a Early Bird, donc c'est un Sims qui se lève tôt. Voilà, qui m'aide à se lever tôt et qui est quelqu'un d'assez productif et qui n'aime pas de rester éveillé tard. Il y a le trait aussi électromaniaque, donc électromaniaque Sims ont le pouvoir de l'éclair en eux. Okay, donc en fait apparemment ils peuvent lancer des éclairs. Voilà. So, the alternative to sleep, it's a strike, lightning, ok. Donc voilà, enfin voilà. Sinon j'ai healthy lifestyle, donc c'est un Sims qui vit de façon healthy, voilà. Tout simplement, qui aime bien le yoga, qui aime bien voilà, de prendre soin de lui. Il gagne facilement en fitness et en cuisine. Et bienvenue à Fafalitsu, bienvenue à toi. Sinon, j'ai le trait succube. Incube et succube, hein, vous savez ce que c'est. J'ai le trait aussi médium. Ah, il est en français celui-là. À moins que ce soit un du jeu. Ils sont particulièrement sensibles aux natures naturelles, leurs humeurs et leurs besoins sont influencés par les besoins où ils se trouvent et pas que. J'ai le trait Neko aussi. Donc c'est un. The Simsu, l'animal. Donc c'est apparemment un Sims qui est une âme de chat. Voilà. Parce que ça fait en jeu, j'ai jamais essayé, mais bon voilà. Dans les autres traits, je regarde un peu ce que j'ai. J'ai le trait Suite. Donc le Sims qui a ça donc est gentil et a soin de. Ah oui, il est mieux de rendre les autres heureux. Il a aussi des jolies dents, ok, n'importe quoi. Donc j'ai mis extraverti, spirituel, et je vais mettre, je pense, geek. Je pense que c'est les traits qui me conviennent le mieux. Voilà, je pense. Au
niveau des autres tenues, ce qu'on va faire, on va... Oh là là, mon dieu, que tu es laide, ma Sims. Que tu es laide comme ça. Zic, là. Oh, ça puce, le truc, là. Je pense un petit peu parce que c'est... Moi, j'ai un truc plus posé. Voilà, ça peut plus poser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme tenue élégante? Celle-là est très jolie, mais... Là, sur le côté, tu vas y voir les loches. C'est pas le but. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, j'aime bien. Je dois que je peux porter en vrai, ça. Je dois aller à un endroit un peu, quoi. Bon, je vais laisser te dire un confitant pour ta fille. Merci beaucoup, Phoenixa, c'est super gentil. Mettre ça, mais non, ça, c'est moins moi, ça. C'est moins moi. Ça peut... Ah, ça, c'est pas mal. Est-ce que j'ai peut-être pas la version en noir ou quoi? Elle est pas assez évasée. Oh, ça c'est beau, ça. Elle est en prune, elle est splendide. Oh, elle est magnifique. Je vais mettre celle-là, je l'aime bien. Elle est très sexy, mais... Anyway, je l'aime bien. Hop, un maquillage un peu plus marqué, là. J'ai un maquillage comme ça quand, à mon mariage, tiens, quand j'y repense. Là, c'est fort, ouais. Et pour les lèvres, on va aller vers quelque chose. J'ai ceux qui sont pas mal. Ouais, non, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Voilà. Est-ce que je peux peut-être relever ses cheveux pour quelque chose ou quoi un peu spécial? On dirait une star de cinéma comme ça. On dirait vraiment une star de cinéma. C'est foutrement classe en fait. Il manque plus que des boucles d'oreilles assorties. Oh mais je me fais des bébés comme ça. Contre lunettes, ça je vais les remettre. Le petit père fine. Mon piercing à la narine, ça je vais quand même le mettre aussi. Enfin, mais mon septum. Oh, d'ailleurs, pour mon opération, je vais le retirer mon septum. Je sais pas du tout comment je vais le faire. Ah, c'est des perles qu'il faut tourner en fait, mais je sais pas du tout parce que c'est tellement bien serré que je sais pas du tout si je vais réussir à le retirer. Mais il faut. Je serai obligée de toute façon, donc voilà. Ici. C'est pas mal. Et là, pour... Voilà. Bien plutôt avec le perso que ça, mettre une petite penche, je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. Bien plutôt une plus discrète. Ouais, c'est mieux, je trouve. Salut Axel Louvre. La tenue trouvée. Mais oui, j'adore, franchement, je la trouve super jolie comme ça. Je la trouve canon. Ça, c'est vraiment la tenue hyper chic, super chicos. Toi, ma fille, est-ce que ça te plaît? Endormie. Je s'endors un petit peu la mode. Bon, ça rebouche. Pourquoi tu vas faire repérer si ce n'est pas trop discret? Malu Luxa, en fait, si tu es curieuse, je t'invite à aller voir sur jolygames.com. Tu as un article qui est sorti aujourd'hui où j'ai tout expliqué en détail, en fait, d'où je vais me faire repérer, si c'est grave ou pas. Voilà. T'as tout parce que ce cas c'est que si je commence à parler de ça en live, ça va être beaucoup trop long et voilà, je crois que c'est... Attends, si je fais ça, est-ce que t'as accès directement au site? Non, attends, du coup si je fais
blog. Non. Voilà, j'écris directement dedans. Mettre le lien manuellement. Voilà. Salut Omen. Omen by Alicia. Je vais très bien, je te remercie. Ok, bah j'ai ma fille qui s'est endormie, là, qui est en mode... Il s'en fout. Okay. Au moins elle râle plus. Ah ouais, non, elle râle plus, là. Elle dort. Est-ce que je peux rentrer tous mes affaires sans que vous ne puissiez rien voir? Ouais. Ah, super. Ah, cette dextérité de rangement de nichons. Voilà. Ça va, mais nickel. Oh, merci, ma petite. Je vais pouvoir continuer mon live. Donc. Hop. Et... Te lève pas précipitamment, par contre. Hein. N'oublie pas qu'elle est là. Non, non, t'inquiète pas, non. J'ai un énorme coussin en forme de banane sur moi qui me tient chaud à crever, donc... Le chat est plutôt calme. Oui, bah oui, écoute, oui, comme toujours. Hein. Comme toujours. Les chaussures, ils sont pas mal assortis. Je vais juste les mettre quand même en noir parce que, bah voilà, on sait qu'on voit quand même pas, en fait, donc voilà, au final. Donc voilà la tenue pour la tenue super élégante. Pour aller au bal. Pour aller à un événement UP. Je devrais avoir une robe comme ça, en vrai. Que ça m'aille, surtout. La tenue de sport. Je fais du sport, moi. Du sport. Du quoi? Ça se mange. Ça se mange, c'est ça, quoi. Donc, la tenue sportive. Il me faudrait une tresse qui passe sur le côté. Et merci pour le follow. Bienvenue à Naru Segawalala. Segawalala. Oui, j'ai bien dit. Merci pour ton follow. Et coucou, Dudule. Comment tu vas, mon Dudule? Max, si je fais comme ça. Ah, oh, elle est classe aussi cette coiffure. On kiffe dessus. Je vais faire une coiffure en fait pour le sport, pour le coup. Il a fallu une tresse sur le côté ou quoi, un truc. Là, non, c'est pas. Waouh, elle est classe aussi celle-là. De... C'est Around the Sims. C'est très sophistiqué quand même comme coiffure. Ouais, tu me verras. Tu me verras jamais avec ça. C'est bon, La Reine des Neiges. Les petites tresses, oui. Ah, voilà. Ça, c'est déjà plus moi pour le sport, ça. Quand, le peu que j'en ai, que j'en fais. Alors, je vais mettre le petit truc, genre... Ah, je suis essoufflée. Oh là là. Mettre une petite paire de boucles d'oreilles aussi, quand même. Discrète. Oh, ça fait une ligne sur son nez. C'est du... C'est de la sueur. Ouais, c'est quand t'as transpiré, là, que t'as la peau qui brille. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est vrai que la ligne comme ça, en plein milieu, bien, bien droite... Bah ouais, ouais. Ça fait un petit peu bizarre. Ah, je sais pas, moi je suis habituée à... Moi ça fait un effet mouillé, je sais pas. Avec les lumières, tu vois, qui donnent dessus, c'est ça. Donc, voilà, au niveau des lèvres, je vais mettre celui-ci, mettre un peu plus clair. Tiens les amis, je sais pas si vous avez vu hier, il y a GusDX qui a sorti une vidéo Minecraft sur sa chaîne gaming. Ouais, genre, il m'en a parlé. Il était super tard. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode mais what? J'ai été voir Indara et moi, elle a pris le canapé, on a mis la vidéo sur la télé, on a climaté, on était mort de rire quoi. Le pauvre, il a un peu perdu la main, on va dire. Mais c'était très drôle. J'ai envoyé un petit mot en mode si tu veux de l'aide. Je veux bien t'aider. Le pauvre, il y a l'air un petit peu. Mais c'est toujours aussi agréable à regarder. Hein. Enfin voilà, quoi, c'est. Ceux qui suivent Gus savent de quoi je parle. Ceux qui dans les lieux de la vieille savent. Je vais mettre quelque chose plus comme ça, genre petit débardeur noir, comme ça. Bien que. Ouais, non, comme ça, je vais tomber la paire de loges que. C'est peut-être pas ça. Ou même pas comme ça en tout cas. Bien que. Ce débardeur. Un débardeur. Ah ouais. Je peux porter peut-être plus ça.
avec un petit pantalon noir ample comme ça, ouais. Chaussettes et des baskets. Ouais, c'est pas mal comme ça. Mes cheveux sont de quelle couleur normalement? Ils sont roux, t'es pas obligé de répondre. Mes cheveux, ils sont châtaignants, dégueulasses. tu regardes sur mes dernières photos sur Insta de quand j'étais encore enceinte, tu regardes la repousse et tu verras. C'est un genre de châtain. Avec, j'ai quelques cheveux blancs aussi maintenant. Je deviens vieille. J'ai comme chat. Toi aussi? Ouais, j'ai quelques petits cheveux blancs. Mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. Au niveau de ma tenue pour dormir, en vrai, donc je vais en faire deux pour dormir. Parce qu'en fait, en vrai, je dors en t-shirt et en culotte. Donc, je vais mettre une tenue en mode petite culotte. Parce que j'ai pas une petite culotte un peu mignonne. C'est trop sexy, ça. Une petite culotte un peu mignonne. Je demande au bain. Voilà. Même si c'est pas du tout le genre de culotte que je mets. Ouais. Ok, au niveau du t-shirt. Là je mets plus vraiment un vrai t-shirt. Voilà, plus comme ça. Voilà, c'est plus, ça c'est plus pour dormir. Pour moi, pour... Et une paire de chaussettes aussi parce que j'ai froid aux pieds tout le temps. Donc voilà. Et une, voilà. C'est comme ça que moi je suis habillée quand je fais dodo. Voilà. D'accord, merci. Parent égal pousse les cheveux blancs. Les cheveux blancs MDR. D'accord. Coucou Thomas. Bon, et donc pour la deuxième tenue, globalement elle va ressembler à celle-là. C'est juste que ça sera la tenue que je vais mettre en sortant du lit. En gros, j'enfile juste un. Juste un. Un truc quoi, un pantalon traîné. Regarde juste. Pas moulant. Oh, excusez-moi. Ouf, petit. Voilà, comme ça. Très classe celui-là. Ah voilà, voilà. Et voilà, c'est plus comme ça en fait. Bah globalement en fait je suis comme ça en fait. Globalement maintenant je suis en chaussettes là avec avec un t-shirt avec Audrey Hepburn dessus. Et voilà quoi. Non, je suis arrivée en plein milieu de ton live, qu'est-ce que t'as chanté depuis le début? Bah en gros là au main je suis en train de me refaire dans les sims parce que bah, j'étais pas satisfaite de mon ancienne version. Donc voilà, la base pour dodo, t-shirt, culotte MDR, mais complètement. Ça va très bien Thomas, merci toi. Ici, la tenue de fête. Donc là, j'aimerais avoir une tenue un peu plus sexy, une tenue qui claque un peu plus. Une tenue qui claque un peu plus. Ouais, ça c'est pas mal. Il n'y a pas la même en rouge. En rouge et noir. Oh yeah! Et pour le pantalon, j'ai envie d'aller vers cela. Ah, on voit pas les fleurs! Oh, caca! Excusez-moi. Excusez-moi. Du coup... Ah non, mais si, on voit les fleurs, mais il faut juste que je change la sorte de pantalon, attendez. Oh non, ça fait kitsch. Ça fait très kitsch. Non, ça va pas du tout. Non plus. Oh, mes cuisses sont pas aussi. Voilà. Mes pieds sont plus grands. Voilà. Faire du noir pour le coup. Ouais, voilà. Chaussettes.
pour les chaussures. Je suis tout le temps en conneries, donc pourquoi est-ce que je me casse le cul à mettre autre chose? Je sais pas. Je passe ma vie en conneries. Mais je sais pas du tout, je vois pas où sont les baskets. Hot. Ah voilà, basket. Ouais, c'est globalement comme je pourrais m'habiller. Mais j'aimerais avoir des Converse un peu plus classe, avec des petits brillants, tout comme ça. Il n'y en a pas dans le jeu. C'est pas grave. Comme tenue, comme maquillage, plus... pour sortir, pour faire la fête. Sexy. Ah, il a un drôle d'effet sur qu'elle est malade, là, qu'elle a du typhus ou je sais pas quoi, là. Je sais pas, tu vois, t'avais les yeux tout bizarres, un peu comme les chatons dans les maneries, là, tu tombes sur pas forcément bien traité. Et un coulet bien rouge qu'il me faut. Ouais. Il brille trop, il est trop, il a un effet trop gloss. Et celui-là. Ah, il est pas mal celui-là. Ah, voilà, on va mettre celui-là. Et... ah, mais je me rends compte que j'ai oublié de mettre mes piercings sur mes autres tenues. Donc, cet homme, je le garde pour le moment. Le sport aussi. Que je fais. Ah. Hop, voilà. Voilà. Il y a un petit colis un peu visible. Celui-là, la poitrine qui est pas posant, donc du coup je peux pas le mettre. Enfin, merci mes modèles. Tu me dis que ça doit pas être évident de trouver des modes. Ah, et comme ça. Oh, c'est cute! Comme ça. Oh, ça c'est classe par contre. Est-ce qu'il n'y a pas le même en noir? Oh là 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 là, mamma mia, c'est super beau. Ah, l'haricot se réveille! Bonjour petit haricot des îles. Bonjour mon haricot. Tu vas bien? Tu veux bien dormir? Oh là là! Oh là là! Petting? Allez! Il se ferme son main. Oh là là! Moi, que mettre celui-là. C'est pas mal, tiens, comme ça, tout simple, comme ça, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, c'est ça. En termes de bracelet, qu'est-ce que je peux mettre? Oh, le petit comme ça en cuir. Oh ouais, j'aime bien. Et les lunettes. Les lunettes. Dormir, hop, sur celle-là. Là, je mets les lunettes sur celle-là. Pour le sport, je mets les lunettes aussi. Et voilà. Hop. Ok, et la tenue de bain. Je dois vous avouer que j'ai... le seul maillot de bain que... non, j'en ai un quand même quelqu'un, je peux colorer. Ouais, ça doit mettre un coloré. Bah voilà. Il a une coupe comme ça. Repris comme ça, dans le dos. Sauf qu'il a pas du tout ce style-là. Il y a des petites fleurs hawaïennes dessus.
Ah, écoutez, on va... Ah bah voilà, on va mettre ça. Un peu rétro, comme ça j'aime bien. Pour les cheveux, là je pense que je serais plus genre à me faire un... En vrai, quand je... À faire peut-être un petit boubou quoi, un petit machin pour mes cheveux. Parce que j'aime pas en fait de les laisser comme ça pendre quand je suis à la piscine. Enfin, tout dire que je vais tester avec ma fille, quand elle sera plus âgée, genre elle aura 6 mois. C'est faire les bébés nageurs. Ta fille a quel âge en description? Elle a 7 semaines. Et donc, s'il n'aura pas dormi longtemps. T'as un mode pour la peau des Sims ou c'est la peau du jeu? C'est la peau du jeu en fait, c'est juste que... Ouais. Je pense que la peau du jeu, je peux faire au niveau du maquillage, moi je mets un genre de petit fond de teint qui fait que bah, ça donne un petit grain en fait à la peau. Ah bah ça, je vais mettre ça comme coiffure, voilà. Pas mal, et là, au niveau du maquillage, un petit truc. J'ai du mascara waterproof, que je ne savais pas qu'il était waterproof quand je l'ai acheté parce que j'ai pas fait gaffe. Et du coup quand je me démaquille, je suis en mode... Ça part pas. Et c'était super chiant. Je vais pas faire ça du coup, je peux juste mettre un petit peu de mascara. Là. Remettre le truc qui fait mouiller. Et voilà. Hop. Voilà. Ça c'est plus moi. Voilà. Ah, elle est bonne ma Sims en fait. Du calme. Belle. Oh petite loutre, profite bien de son moment, c'est là ça m'invite quand ils sont stylés. Ouais mais complètement, c'est ce que tout le monde me dit Lico. Mais ouais on profite bien. Mais la nuit je veux dire que c'est plus elle qui profite de nous que nous profiter d'elle. Je dois vous avouer. Très jolie Sims, merci beaucoup. Je sens que tu as un tie and dye, pourquoi tu mets pas tes cheveux, pas les cheveux de ton Sims comme ça? Parce qu'on sait pas mettre un effet tie and dye dans les Sims en fait. Mais le truc en fait, ce cas c'est que j'ai pas un effet tie and dye, attendez je vais vous montrer. C'est juste qu'en fait il faut que je fasse ma colo. Parce que j'ai fait ma colo juste après avoir accouché. Et donc en fait ce qui est assez énorme, donc mes cheveux là aussi ils restent bien assez rouges, mais en dessous ils deviennent plus roux en fait. Voilà, ils se dégradent, la couleur dégorge beaucoup plus sur les pointes que sur le dessus en fait. Mais en vrai ils sont, enfin en vrai quand je les fais ils sont rouges mais voilà. T'as fait l'icône à peine, on a à peine le temps de les voir grandir qu'ils ont déjà 20 ans, ouais. On va voir. Je verrai bien lui là comment c'est. La nuit durant mon lit, mon fils a fait ses nuits à 2 mois et ma fille a 2 semaines. Courage, tu as toute ma compassion. Merci beaucoup Lico, c'est très gentil. Maman, donc là elle est à 7 semaines et elle fait pas encore ses nuits. Généralement elle fait une petite nuit de 4-5 heures. Par exemple, hier soir on était accouchée à 21h, elle s'est dormie assez vite. Et elle nous a réveillés un peu avant 2h du matin. Puis après c'était toutes les 2h qu'elle nous a réveillés en mode « J'ai faim !» Donc voilà. Donc quand il fait chaud, qu'est-ce que je mets quand il fait chaud? Quand il fait chaud, je suis très débardeur. Donc truc sans manche ou quoi. Ça peut être pas mal. En plus ça peut-être. Pas mal ça. Ça c'est joli mais non ça remonte trop. Les noix de coco. Peut-être pas. Peut-être pas. Même clairement pas. Ça peut-être. Ouais non il passe trop, il est trop. Ah ça c'est pas mal. Oh non, trop large. La grossie a crevé. Je crois même que je vais le retirer en fait, si c'est ça, parce que je ne mets jamais ce t-shirt là. Je vais faire un skin comme ça, je le retrouverai. Je peux quoi lui mettre. Ah, c'est pas mal. Il y a ça aussi qui est sympa. Ah, c'est sympa ça, tiens. Ouais.
Ouais, ça c'est bien moi ça. Pantalon 3 quarts, j'en mets jamais. Oh, cette musique beaucoup trop posée. Voilà. Moi, peut-être que je peux mettre une longue robe. En fait, j'adore mettre des longues robes quand il fait beau en été. Un peu comme ça. Je vais faire deux tenues en fait pour elle. Je vais faire une tenue comme ça avec, avec une longue robe comme ça. Avec bah, toujours ma paire de Converse. Il y en a qui disent des Converse avec une robe. Ouais, je peux vous garantir que c'est canon. Prenez une maxi robe. J'ai une maxi robe en fait avec élastique au niveau de la poitrine. Qui est rose un peu dans le style un peu des Eagles mais qui c'est pas du des Eagles. Avec des baskets roses. Nickel. Petite Converse rose, des petites Converse blanches. Même mon teinte, hein, c'est canon. Tu vois mes enfants, déjà 5 ans et demi, 3 ans et demi, j'ai l'impression de ne pas les avoir vus grandir. Oh, mais vous me faites flipper là. On va dire des choses comme ça. Oh là là. C'est vrai que j'ai pas vu passer ces 7 semaines là, je les ai pas vu passer. En fait, jeudi, elle va rien comprendre, demain, sa fille, elle va rentrer à l'université. Ouais. J'avoue. Laissez-la moi encore un peu petite, s'il vous plaît. Un tout petit peu petite. Soyez gentil. Voilà. Comme il fait chaud, elle va avoir le petit truc, le petit maquillage comme ça qui est bonne. Chaud. Et on va aller vers un rose. Il est peut-être pas mal. Oh, il est beau celui-là. Il est super beau celui-là. Je sais pas si j'y suis là, mais je sais plus parler. Ça c'est pas mal. Et c'est Sims en fait, je vous prenais déjà les gars, je pense pas que je vais. J'avais commencé à faire une petite série en live dans une sorte de Jolie Dreams, mais. Je sais pas. Donc du coup, je pense que ce sera juste pour moi jouer comme ça. Si vous voyez des live popés dessus, tant mieux, si vous n'en voyez pas, bah, voilà. Non. Non plus. Oh, trop sexy que les cheveux comme ça, mais en vrai ça me va pas du tout. Parce que j'ai les cheveux beaucoup trop raides. Coiffure cochon d'Inde, non. Ouais, plus ça. Avec une petite paire de boucles d'oreilles. Oh, je vais mettre celle-là. Des petits cornets de glace, c'est mignon. Petit look bien fun. Un peu pas du tout conventionnel. Ça comme ça. Ah oui. Bon, on va dire, oh mais c'est pas sorti. Balek, j'aime bien moi. Hop, voilà. Et ah oui, j'avais dit que je ferais une autre tenue en fait pour la chaleur, mais je refais une avec un pantalon. Débardeur et pantalon. Qu'en penses-tu Ricotte? Oh Ricotte s'est rendormie. Oh elle est trop mignonne. Parce que j'ai dit que je la montrerais. Salut Paralouve, j'avais dit que je montrerais pas photo d'elle et je ne la montrerai pas, mais elle est beaucoup trop mignonne là, les Amon. Sur maman, on est bien. Ouais, ça c'est pas mal ce que je pourrais mettre. Non, en matière de fringues, il y en a qui veulent se faire plaisir et qui même en accessoire, hop, voilà. Je mets le lien de mon Vinted si vous voulez faire un petit peu de shopping à des prix pas chers. Enfin, je vais aussi pour la mettre en description de vidéo. On va partir vers ça, je pense.
aller vers une autre couleur. Je... Ouais, ça c'est mignon ça. Avec un jeans. Est-ce que j'ai un pantacourt ou pas? Oh non, le pantacourt avec ça c'est dégueulasse! Ouais, c'est pas mal. Ouais, plus ça, ouais. Bon, là, je l'habille comme moi, je m'habille pour le moment, hein, donc vraiment en mode ultra, ultra baba cool. Bien sûr. Hein. Au niveau des boucles d'oreilles, je vais peut-être pas laisser celle-là pour le coup. C'est quoi celle-là? Ah, c'est qu'une toute seule, c'est trop bizarre. Voilà, c'est bien comme ça. Et pour quand il fait froid... Déjà... Le petit bonnet noir. Voilà, petit bonnet noir. Au niveau de la veste... Au niveau de la veste, moi je suis souvent en polaire en fait, quand il fait froid. Donc mettre un truc comme ça, très sport. Gris. Voilà. Moi c'est ce que je mets, littéralement. Avec... ben, mon jeans. Un jeans pour délaver celui-là. Il est où le bootcut? Ah, voilà, il y a le bootcut. Il va être un peu plus foncé. Et mon éternel paire de. Ah, je pensais que Vivi terminerait ma phrase pour le lol. J'ai oublié le nom des trucs donc. Paire de Converse. Et des gants, ça j'en mets jamais. Ah si, des mitaines, parfois j'en mets quand il fait froid. Enfin j'en mets. Est-ce qu'il y a des mitaines? Il n'y a pas de mitaines. Il n'y a pas de mitaines. Il n'y a pas de pompe. Oh. La cicatrice arrive plutôt dans les gants, bien sûr, tout va bien. Donc, voilà, c'est ça comme ça. Et au niveau du maquillage... Pas chaud ou froid, ça ne change rien au fait que je me maquille. Alors, une petite couleur comme ça, c'est bien. Et les petites lunettes. Et voilà. Et ben écoute, écoute. Et toi, abonné qui me regarde, je vais remettre là un peu pour montrer un peu les tenues que j'ai faites. Voilà. Ouais, j'aime bien la tenue. Super habillé. La tenue de sport. La tenue pour dormir. La tenue de fête. La tenue de bain. Et ma tenue quand il fait chaud. Hop, deuxième tenue quand il fait chaud. Et ma tenue pour le froid. Donc bah voilà. Voilà. Et ce que je vais faire un petit truc comme ça. Faire une petite photo pour la miniature. Voilà, pour la rediffusion. Coucou Kinem. J'ai dit chérie, ça laisse rentrer l'air. Lol. J'avoue que je suis pas beaucoup là sur la souris, mais. Oublie pas le. Oui, merci Kinem, le jeu a gagné, c'est vrai, merci. Internet perd 2, pardon, c'est de ça, t'es con qu'il aime. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci, parce que j'avais complètement zappé le jeu gagné. Merci beaucoup de me l'avoir rappelé, quoi. J'avais oublié. Ah, zut. Donc,
De toute façon, pour ceux qui regardent la rediff... Oh, pardon, je te fais peur. Ricotte, pardon. Pour ceux qui regardent la rediff, oula, je recouperai un petit peu le live, parce que bon, bah, le jour a déjà été gagné, donc ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, je remercie ceux qui ont maté la rediff, et je vous invite à aller faire un petit don gratuit sur YouTube. Voilà, vous avez le lien dans la description, vous regardez une pub de 5... pas de 5 secondes, de 30 secondes. Et ça me fait un petit don de 5 cents si tous les gens qui regardent cette vidéo le font. Bah franchement merci à vous, ça serait une super bonne aide. Et ceux qui veulent un petit bonus en plus, bah vous pouvez prendre un petit abonnement Fire Tipper et vous aurez des petits bonus en plus, genre des vidéos à l'avance, des choses comme ça. Donc ouais, d'ailleurs ceux qui au moment donc ce live a lieu le 29 janvier, donc oui les rediffs arrivent un peu plus tard. En tout cas c'est vraiment, par exemple ils ont pris les Fire Tipper en fait, donc demain il y a Victor épisode 12 qui sort, bah ceux qui sont Fire Tipper l'auront déjà vu aujourd'hui. Voilà, c'est un exemple de choses que vous pouvez bah, avoir comme petit bonus en étant Fire Tipper, voilà, tout simplement. Et ceux qui ont pris un sub sur la chaîne Twitch, ils ont ça, donc ils ont les vidéos à l'avance aussi, mais aussi ils ont directement accès aux rediffusions de live directement en fait, ils ne doivent pas attendre que ça arrive sur la chaîne YouTube. Donc voilà, comme ça vous savez tout, parce que c'est vrai que récemment j'ai encore des gens qui m'ont dit « Ah mais jeudi, on sait pas voir tes lives, c'est pour les subs !» Les rediffusions de live sont pour les subs, mais les vidéos en direct ne sont pas pour les subs, faut juste cliquer sur le lien de Twitch au moment où il y a un live et vous voyez le live, voilà, comme ceux qui sont subs, voilà, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, bah, merci à ceux qui ont regardé, des bisous à ceux qui ont regardé sur YouTube, à la prochaine, ciao !